Voilà. Donc, Georges Lavaudan, merci, Joe, d'être là avec nous. Merci, cher Jacques Weber. C'est un grand plaisir que vous soyez là tous les deux aujourd'hui pour un théâtre qui se réouvre et vous dire que cette pièce, bon, qui n'est pas une pièce totalement inconnue sur laquelle tu travailles, sur laquelle vous avez travaillé, ben voilà, je vais vous laisser en parler parce que c'est une joie de vous écouter parler de Shakespeare aussi maintenant. Bonsoir. Le Roi Lear, oui, c'est une pièce un peu fétiche pour moi parce que lorsque j'ai démarré à Grenoble, immédiatement après Lorenzaccio, c'est le second classique que j'ai monté, c'était dans les années 70. Ensuite, j'ai refabriqué une seconde version lorsque je suis arrivé à l'Odéon en 96. Et puis, ben voilà, là maintenant, c'est l'aventure avec Jacques pour une troisième version. On a toujours le sentiment qu'on réussit, on se rend compte qu'il y a des passages qu'on ne réussit pas, parce que c'est ce que j'ai appelé, ce sont des pièces monde, c'est-à-dire c'est une pièce où vous ne dites pas, tiens, le thème c'est ça, c'est des thèmes où tout s'entremêle, c'est-à-dire le droit, la guerre, le sexe, la violence, la bâtardise, la stratégie, les jeux de mots, ça part comme du Shakespeare, ça termine comme du Beckett. Et avec Jacques, lorsqu'on l'évoque, c'est comme, on l'a dit, c'est comme d'escalader l'Himalaya en pantoufles, sans sherpa, par temps de brouillard, quoi. Je vous prie de m'excuser, mais je ne sais pas trop quoi dire, si ce n'est que, je suis extrêmement joyeux de pouvoir aborder avec une telle production et un tel metteur en scène un rôle qui fait rêver, je crois, tous les acteurs, tout bêtement. C'est un rôle de fin de carrière, mais les fins de carrière sont parfois plus belles que les débuts de carrière, enfin, je l'espère. Non, je suis très intimidé, pour moi, ça reste une énigme, et d'ailleurs, je souhaite même que ça le reste toujours, même après l'avoir joué. C'est une pièce monde, comme dit très justement Jo, et c'est un rôle qui a besoin du parcours d'une vie, du parcours d'un acteur. Je crois que ça fait 50 ans que je fais ce boulot, et c'est vrai que c'est un rôle qui, comme tout le monde, m'a fait rêver. Je crois qu'il est temps, grand temps, que je m'y attelle, mais je dois dire que voilà, ma joie est à l'aune de ma terreur de jouer ce rôle, mais bon, je suis très heureux d'être avec vous pour essayer d'y arriver. Voilà. Merci Jacques, merci Jo, merci à vous et merci d'être venu nous raconter aujourd'hui ce projet.